on se retrouve du coup pour le vlogmas numéro 23. Ça approche plus que quelques jours de vlogmas et c'est la fin, n'est-ce pas mon moon? Je vous filme que le soir aujourd'hui, je suis désolée mais j'ai pas du tout, mais du tout le temps aujourd'hui de prendre la caméra. On a fait les derniers préparatifs, les derniers cadeaux, donc là il faut que j'emballe tout ce qui me reste. On a reçu la livraison que j'avais peur de pas recevoir à temps, donc c'est bon, il va falloir que j'emballe tout ça ce soir. Bah je pense que du coup je vais faire ça avec vous tranquillou. Pacha en train de miauler, je sais pas pourquoi, il me gratte la nourriture comme tous les soirs. C'est pas la peine de me regarder comme si t'avais jamais mangé de ta vie. Bon voilà du coup ce qu'on a mangé à midi, le filet de canette en gastrique de passion, c'était juste délicieux. Je voulais vous montrer la recette parce que du coup je vous ai montré juste en vidéo ce qu'on a mangé parce que j'ai pas eu le temps de vous filmer avant. Alors j'ai trouvé des petites pochettes du coup chez Tiger, j'en ai pris 6 comme ça, elles sont trop jolies, bien colorées et tout, parce que je vais faire un petit cadeau chacun avec un peu les muesli et tout que j'ai reçu, parce que franchement j'en ai reçu une panoplie, donc ça sera pour la famille, je vais leur en offrir avec d'autres choses. J'ai repris des piles chez Tiger parce que j'en avais besoin et j'ai reçu ma commande de chez Tire. Je suis trop contente, regardez comme elle est trop belle la box de Noël où vous pouvez imprimer vos photos. En plus vous avez même le papier cadeau pour offrir et les étiquettes, ils ont pensé à tout. Et quand vous l'ouvrez, j'ai fait une sélection de photos, c'est trop beau, j'adore. Il y a Pacha Moon, il y a mes grands-parents, il y a les frères et sœurs, il y a nos neveux, nos nièces, enfin quand on était à la plage, les jumeaux. Donc voilà, ça fait des petits souvenirs et j'aime bien voir ça dans des petites boxes. Et surtout j'en ai imprimé en double pour en offrir. Sur Tire j'ai également fait faire le calendrier 2021, je suis trop contente parce que franchement vous pouvez mettre autant de photos que vous voulez, vous pouvez en mettre 3, vous pouvez en mettre qu'une, vous pouvez en mettre 2 et bah, il rend trop bien. Donc si vous voulez j'ai un code promo, c'est GIRLYALEX, ça vous donne droit à 5€ de réduction sans minimum d'achat, donc ça c'est trop cool. Et voilà, vous pouvez mettre plein de photos, ça c'était l'anniversaire du chéri, c'est pour ça que j'ai mis en avril, en mai c'est le mien, là c'est évidemment les vacances, toute cette période de juin, juillet, août, c'est trop beau, c'était quand on était en Grèce, là à Valensole, là c'est quand on était à Paris, là aussi à Disney pour Halloween, là les bébés et décembre. Bon voilà, il est trop bien, donc on en a le calendrier pour 2021 et Cheers, bah, c'est toujours des super idées à offrir. Bon, même s'il est tard, je voulais quand même vous montrer ma petite commande que j'ai reçue du site Soul Miager. Je vous en avais déjà parlé et j'aime trop les articles qu'il propose. Après j'avais l'ours qui tenait le café dans ses mains, le pyjama entier en forme de sapin, là du coup j'ai repris celui-là, il est trop beau avec le chat noir, ça ressemble à Pacha et en plus il est cuistot, donc c'est un peu nous en train de faire des bonnes recettes là pendant le confinement. Et c'est un peu notre métier aussi, donc je pense que j'étais obligée de le prendre. En plus la couleur violet, je trouve que ça change, il est vraiment trop joli. Je crois qu'il existe même en sweat. J'ai un code promo en plus pour vous, c'est GIRLYALEX18, il est toujours valable. J'ai eu des abonnés qui m'avaient dit qu'apparemment c'était un site qui ne livrait pas. Moi j'ai eu aucun souci et j'ai eu des abonnés pareil qui m'ont envoyé en photo comme quoi ils avaient bien reçu leurs vêtements, donc c'est un peu bizarre. Donc n'hésitez pas à insister sur le service client parce qu'ils répondent. Donc voilà, si vous avez un problème avec votre colis, n'hésitez pas à les contacter. Hier il y en a beaucoup d'entre vous, oups là, qui m'ont dit qu'ils avaient adoré mon pull, et ben il vient du même site, Soul Miager, c'est celui-là, le petit sweat rose, et en fait il est trop beau quoi. Et les motifs des Pères Noël sont trop jolis, les bonnets des Pères Noël, vous en avez des brillants ou des mats, et c'est ça que j'aime bien parce que ça fait des reflets. Donc dans ma vidéo des recettes vous m'avez demandé d'où ils venaient, donc c'est du site Soul Miager, il est trop trop mignon. J'ai pris également ce t-shirt, il est trop cute aussi pour les fêtes, c'est ce petit t-shirt avec deux avocats, c'est trop cute, avec écrit Avo Merry Christmas. Donc du coup les deux parties de l'avocat se complètent et je trouve ça trop mignon. Vous avez plein de couleurs différentes, pareil ça existe en sweat, vous avez plein de choses pour les femmes et pour les hommes aussi. Et par exemple vous avez ce genre de t-shirt aussi avec comme si c'était la virgule Nike avec le petit paresseux qui dessus qui crie just do it later. Le sport ça sera après les fêtes, pour l'instant on se repose et on mange bien comme il faut. Non mais voilà, il est trop mignon, pareil dans les tons verts et tout, je voulais changer un peu du noir, voilà comme d'hab quoi. Il y a aussi pour les hommes, donc du coup j'ai pris le pantalon rouge comme ça sur vêt pour mec et mon chéri est trop fier parce qu'il me dit qu'il est trop bien dedans, qu'il gratte pas, que c'est une bonne matière, vous avez des vraies poches. Enfin, vous avez également des robes, voilà, vous n'avez pas uniquement que des t-shirts et des sweats un peu rigolos, vous avez aussi des robes même limite de soirée, genre cette robe bleue elle est très très jolie. Elle est resserrée à la taille, elle a un petit volant en bas. Elle a les manches ballons en transparence avec des petits points en fait sur les manches. Je trouve ça trop joli, elle a même la ceinture inclue. Elle est pas du tout transparente parce qu'en fait elle est doublée et elle est vraiment très très jolie portée. Franchement elle est trop belle, elle est pas trop courte ni rien, donc je suis trop contente. Et vous avez également cette robe noire pull à col roulé comme ça. Et pareil elle a l'effet de transparence en fait au niveau des manches qui laisse apparaître du coup la peau avec les petits points noirs. Et ça c'est juste trop joli. Vous avez également la ceinture avec, mais vous pouvez bien entendu mettre une autre
ceinture hein, par exemple, et avec des collants et tout, enfin c'est trop joli. J'ai reçu également ce sweat de Soumia Girl. En plus il a, je sais pas si vous pouvez voir, mais il a la capuche, il est d'une douceur, il est incroyable, j'adore, on se sent trop cocooning à l'intérieur, ça se voit je pense même à la caméra. Oh, regarde. Oh j'adore, j'adore faire ça. Il est rouge et noir à carreaux, franchement parfait pour le Canada ça, on adore. Également ce t-shirt de chez Soumia Girl avec le chat noir, et vous avez également ce genre de pantalon. Donc voilà ce qu'on peut retrouver du coup sur le site Soumia Girl, hein, je vous en parle là, ça fait deux fois que je vous en parle et je suis pas déçue, donc je suis bien contente. Alors on ouvre les calendriers de l'avant, c'est parti pour le 23, le 100% vegan, et après il en restera qu'un, c'est trop triste. Oh un petit thé, on l'a jamais eu celui-là, c'est le Garden Blossom. Ensuite le 23 de luxe. Oh on a un beau truc là. Oh, c'est un gros pot, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des toppings super mix, donc il doit y avoir plein de choses dedans. Donc c'est un topping protéiné avec de délicieux ingrédients de qualité. Transformez votre yaourt, smoothie ou votre porridge en un excellent petit déjeuner au goût de fruits rouges, de noisettes et de cannelle. Parfait pour les fêtes. Ensuite, The Body Shop, le numéro 23, il est là. C'est le triangle juste ici. Offrez ça à quelqu'un ou gardez-le pour vous. Oh, 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 qu'est-ce que c'est? Oh non, mais c'est génial, c'est un bandeau avec des petites étoiles dorées. Oh non, c'est trop cute. Ensuite, le Cheers, le numéro 23. Il est là en bas sur moi. Qu'est-ce qu'on a comme Kinder? Un Kinder Bueno. Ensuite, le Yankee Candle, numéro 23, il est là. J'arrive à ouvrir la case, oui. Oh, elle a l'air d'être grande la case, my god. Qu'est-ce que c'est sur le renne? Alors, dites-moi ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est, mais je pense que ça doit être pour éteindre la bougie, certainement. Je pense que ça doit être ça pour mettre sur la flamme. Mais dites-moi si je me trompe. Et enfin, le casse-noisette numéro 23, il est juste là. Oh, je crois que c'est un petit écureuil. Oui, c'est ça, le petit écureuil. C'est parti, du coup, on le mange ensemble. Genre qu'il en reste plus qu'un. Enfin, je vous dis qu'ils mangent toujours ensemble, mes chats. Ils sont trop beaux. Bon, ce soir, on s'est fait de la terrine d'échalote, du saucisson poivre, cornichon, tomate avec du pain. Et il y a le brie qu'on est en train de faire fondre à la truffe. Miam, miam. Wow, le brie, la fondue de fou. Oh my god, ça a l'air trop bon. Avec du pain, on va se régaler. Bon, il nous restait du chocolat d'hier soir. Du coup, on l'a refait fondre pour manger avec les fraises qui restaient aussi. Voilà, pour le dessert. Franchement, en ce moment, on mange bien. Je pense qu'après les fêtes, on a le droit de se remettre en forme. Hein, parce que là, ça va plus. Regardez-moi ces deux merveilles. Je les bouffe d'amour. C'est le gros dodo, là. Hein. Bon, je vous retrouve du coup le soir. Ça y est, je vais pas tarder à aller au dodo. J'étais en train de regarder ma série Virgin River. Parce qu'en fait, je m'étais gardé plein de petits épisodes exprès pour pas la finir d'un coup. Donc je suis à la saison 2, épisode 6. Si vous n'avez pas regardé cette série, il faut absolument que vous la regardez rien que pour ses paysages sur le Canada. C'est juste incroyable. En plus, c'est une série de romance et tout. Enfin, franchement, c'est trop cool. Il y a toujours des rebondissements dans chaque épisode. C'est dingue cette série, je la kiffe. Donc je fais exprès de pas la finir d'un coup, mais c'est dur hein, parce qu'à chaque fois j'ai envie de regarder la suite. Ça y est, ça approche demain. On ouvre les dernières cases des calendriers de l'avant. J'ai trop triste, c'est passé juste trop vite en fait. J'ai pas vu le mois de décembre passer, non mais vraiment un truc de fou. Voilà, donc écoutez, ben moi je vais terminer ce vlog ici. Je suis désolée s'il aurait été méga court, mais franchement j'ai eu du mal à filmer aujourd'hui. Faut savoir que Moon dort toujours sur mon tapis. Il faut qu'il y ait mes chaussons et mes chaussettes à côté. Sinon il a du mal à dormir. Non, non, mais c'est pas une blague, c'est véridique. Bref, sur ce, je vous dis des bisous. Et on se retrouve demain, même heure, à 16h pour le dernier vlogmas. Oh, ça me fend le cœur. Allez, à demain. Bisous, bisous. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.